belle journée. Belle journée, belle journée. Et là, on est si humain dans notre petit monde humain, dans notre monde du temps, des trains-trains et des habitudes. Et là, j'aimerais bien parler de ce que c'est transcender. C'est quoi transcender? Parce qu'il faut bien que nous vivons sans subir tout ce qui nous entoure, pour pouvoir être libre de ce qui nous incombe. Alors, c'est quoi surpasser? C'est quoi outrepasser, dépasser la logique que nous disons être obligatoire? Ça peut paraître un peu impossible, ce que je dis, mais c'est quelque chose qui vient du domaine de la transformation de soi. Pas du changement. Changement, on peut changer les choses comme on aimerait, comme elles devraient être, comme elles auraient dû être. On peut changer. Mais transcender, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Parce que tu vois, nous avons des désirs. Et ces désirs, en fait, elles nous mènent à avoir des désirs, à avoir des envies pour pouvoir atteindre un but. Et il semblerait que la force de ce désir-là soit impossible à aller à son encontre. Nous sommes tous investis de choses comme ça, comme la colère, la violence, toutes ces choses qui fait que nous faisons des choses des fois que nous ne voulons pas faire, mais on les fait quand même. Et justement, est-ce qu'on peut transcender tout ça? Est-ce qu'on peut aller au-delà de toute cette activité qui se meut en soi et qui nous empêche d'être libres, en fait? Et je crois que nous avons un monde qui est figé dans un programme, un rôle, des normes établies, des conclusions qui sont faites. Et nous disons à nous-mêmes, c'est impossible. On se dit à soi-même, c'est impossible. Certes, c'est impossible parce que nous ne voyons pas d'issue, nous ne voyons pas comment vivre autrement, puisque on nous a programmé la vie comme elle devrait être, en fait. Et en fait, tout ce que nous faisons, c'est de la répéter toujours et toujours de la même manière pour ne pas trop bouger le bateau, en fait. Il y a une zone de confort qui s'est établie là, que on n'aime pas que ça bouge. On n'aime pas les choses qui viennent imprévues comme ça. Donc, on s'est figé dans un petit monde où tout doit être parfait, tout doit être bien rangé, aux normes, bien moulé, qu'on ne puisse pas déborder. Et parce que tout débordement à ça est source de tracasserie. Parce que là, on rencontre quelque chose qui est inconnu. Comme nous avons tous l'habitude d'être moulés à la conformité de notre monde, et ben tout ce qu'il y a de différent nous fait peur. C'est-à-dire que on nous a tous appris comment la vie devrait être. Dans cette vie, on te dit, ben voilà, il faut bien grandir, aller à l'école, bien apprendre. Si tu apprends bien, ben, tu auras une belle vie. Et puis après tu te maries, après tu as des enfants, et il faut bien sûr pour tout ça une belle maison, une belle voiture, et c'est ça la vie. Et donc on prône ce genre de vie qui est le moule de notre société.
Et sortir de là, eh bien, il y a de la nervosité. De la nervosité parce que on doit construire quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, dans notre vie, beaucoup ont trouvé que la société n'était pas celle qu'ils voulaient. Donc, ils ont construit quelque chose d'autre. Et ça a été, il y a eu des problèmes. Mais en même temps, ils ont réussi à s'établir dans un autre système, mais à l'intérieur même du système, sans jamais quitter le système, en fait. En fait, on se raconte la vie idéale et on se la fabrique, en fait. Donc, on fabrique plusieurs systèmes dans le même système, mais qui n'est pas dissocié du système. Tout est imbriqué dans le même système et tout est sujet à un ensemble, en fait. Mais quand il s'agit de transcender tout ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut que tu vois combien cette obligation, ces choses que nous avons faites, sont ridicules, si tu veux, par rapport à ce que tu prônes au fond de toi, cette liberté que tu veux avoir, cette envie de vivre, mais joyeux, tu sais, sans aucune contrainte. Il faut que pour avoir ça, eh ben, ce n'est pas fait dans l'état naturel de tout ce que nous avons fabriqué. La société comme elle est, elle ne nous le permet pas. Et on se dit tous, c'est impossible. Impossible d'être joyeux. Parce qu'on subit, parce qu'on doit faire, parce qu'on doit avoir des règles et tout ça. Donc, l'esprit, lui, il subit toutes ces normes, ces règles, et il est limité, en fait, dans tout ce contexte-là. L'esprit. L'esprit qui est véhiculé par le corps. Il est lié au corps, il est lié à la systématique de tout le problème de la société. Parce qu'on doit manger, on doit se vêtir, on doit dormir, et tout ça c'est essentiel pour pouvoir exister. Et voilà que il n'y a pas dans ce monde une égalité à ça. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Ils meurent de faim même. Et il y a des gens qui ont beaucoup. Et qui pensent qu'ils n'ont pas encore assez, et qui veulent toujours plus pour pouvoir être à l'abri du danger. Et c'est là toute la problématique de ça, parce que nous créons dans le système des systèmes qui fabriquent des rangs sociaux, et les rangs sociaux sont en conflit. On se met en guerre les uns contre les autres pour trouver une égalité qui soit juste, qui fait partie d'une justice que nous avons au fond de nous, qui est innée d'ailleurs, mais que nous n'arrivons pas à mettre en place. Pourquoi? Parce que nous avons justement toutes ces choses en nous qui ne sont pas vues par un autre plan. Tout ça se passe dans le plan matériel, où tout est figé dans ce que nous avons appris. Donc il y a un programme qui fait marcher ça depuis des décennies. Nos têtes sont faites de cette manière. Nous avons des têtes qui font des choses pour gagner quelque chose. Nous sommes devenus commerciaux même dans nos têtes. On dit je t'aime, mais à condition que. Et voilà bien la problématique de ça. Et comment surpasser tout ça? Et dépasser toute cette obligation? Ça veut dire que si tu peux voir la peur que tu as, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui t'arriverait, la peur de tous tes a priori que tu te racontes, si tu peux voir que ce sont des choses, en fait, ces peurs, ce sont des choses que tu te racontes à toi-même et qui t'interdisent d'aller
sur un autre aspect de la vie, c'est-à-dire vivre sans les obligations, sans l'instinct du désir, sans l'instinct de la violence, sans l'instinct de tout ce qui a été mis en place pour pouvoir exister. Donc, tu vois tes peurs et tu vois que toute cette activité-là ne te laisse pas vivre de manière transcendante, de manière à ce que tu puisses passer au-delà de toute la différence, de tout le problème dans lequel tu es enfoui, le sillon que nous avons tracé dans la vie est un carcan où personne n'ose sortir. Et justement, là, il s'agit ici de voir si transcender toute l'être intérieur qui fait justement que ça existe, c'est-à-dire nos désirs, nos peurs, nos angoisses, nos envies, nos plaisirs, et on veut les perpétuer. Et quand on les perpétue, eh bien, on en veut encore plus et on n'en a jamais assez. Ça fait que nous avons une vie qui se répète tout le temps. Et transcender tout ça demande que nous voyons ce qui se passe, que nous prenons conscience de toute cette anomalie que nous avons, toutes ces obligations que nous devons faire, comment nous subissons la vie, comment influencés sommes-nous par nos désirs, nos peurs, nos angoisses, comment nous réagissons à tout ça. Et de les voir, ça permet justement de comprendre que ce qui se passe n'est pas normal. Et comme ce n'est pas normal, eh bien, ce que tu es en réalité, quand tu vois l'anomalie de ce que tu vis, eh bien, ce que tu es, celui qui voit l'anomalie, eh bien, celui-là peut transcender. Parce qu'il est autre chose. Il fait partie d'une dimension autre que celle que nous connaissons. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons regarder la vie sans les obstacles de nos peurs et voir qu'il y a quelque chose de vivable au-delà de tous les trains-trains quotidiens que nous avons établis, qu'il y a quelque chose qui ne ressemble pas à la vie que nous connaissons tous les jours, mais qui nous transcende dans un état de joie, puisque nous n'avons pas le poids de tout ce que nous devons faire pour être moulés à toute la discipline que la société et la norme établie nous a demandé d'exécuter. Et nous vivons de manière robotisée, c'est machinal, ça se répète tout le temps. Et c'est peut-être là, en voyant tout ça, en regardant, en observant comment la vie tourne, qu'il y a en toi, en moi, en lui, en tous, cette intelligence qui n'est pas basé sur un plan matériel. Ce matériel ne peut pas comprendre cet état d'esprit, cet état d'esprit intelligent qui transcende toute le statu quo de nos vies. Et quand ta vie, elle est transcendée, comme ça, transformée par cette intelligence qui a vu toute la médiocrité dans laquelle la condition de l'homme était, eh bien, il y a un échappatoire de tout ton être physique avec tous ses instincts,
toutes ces peurs, toutes ces angoisses, parce que tu arrives à sortir de ce plan matériel. Parce que nous sommes faits de chair et d'os, qui est matériel, et nous ne sommes pas ça. Mais bien souvent, comme nous sommes impliqués dedans, nous sommes prisonniers de ça. Mais ce que tu es vraiment peut se détacher et voir qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas tous ces désirs, qu'il n'est pas toutes ces violences, toutes ces choses qui se passent. Ce n'est qu'un programme qui a été fait pour que le corps puisse se défendre. Et se défendre, pourquoi? Parce qu'il est individualisé dans cet être qui s'appelle moi, et ce moi se protège parce qu'il a peur d'être envahi par l'immensité de la vie. Donc, nous faisons des guerres, tout ce que nous faisons crée beaucoup de problèmes dans le monde et beaucoup de souffrances aussi. Donc, il me semble important de parler de se surpasser pour outrepasser tous les anomalies que nous avons, toutes les choses qui nous empêchent d'être libres, en fait. Et ça, moi, j'appelle ça se transcender. Transcender de l'activité normale, de l'activité de ce qu'on a appris depuis des décennies. Transcender notre être pour être un être supérieur à ce plan matériel. Et je pense le vrai, nous sommes là authentiques, authentiquement soi, authentiquement la liberté, nous sommes cette liberté. Ça, c'est une vraie réalité. Mais autrement, ce que tout le monde te fait subir, c'est parce que tu es attaché à ce que tu appelles moi. Et ce moi doit être transcendé. Voilà. Et c'est probablement la chose la plus complexe que nous soyons face, nous les humains, pour pouvoir gérer nos vies et nos relations, parce que nos relations sont faites justement de tout ça, de nos peurs, de nos angoisses, de ne pas avoir, de ne pas être aimé, et de ne pas être compris. Tout ce mouvement, ça indique que nous devons dépasser tout ça, pour pouvoir être vrais, et pouvoir se comprendre les uns les autres, pouvoir s'accepter aussi les uns les autres. Parce que si nous vivons dans cette rivalité où chacun regarde midi à sa porte, on ne va pas se comprendre. On va plutôt se faire la guerre. On va plutôt se méfier les uns les autres. Et ce sera ce monde que nous connaissons, l'individualisme, où tout va vers l'égoïsme. Et cet égoïsme, justement, c'est ça le problème. C'est celui-là que nous devons transcender pour avoir un monde plus vaste, plus commun et moins individualisé. Merci.